Bonsoir, je m'appelle Maggie Bélanger et je suis à la première du film Ézimézac à Saint-Élie-de-Caxton. Toute la journée, j'ai eu la chance de rencontrer les comédiens ainsi que l'équipe du film pour leur poser plein de questions et ainsi mieux comprendre l'univers du film Ézimézac, écrit par Fred Pellerin et Luc Picard et réalisé par Luc Picard. Donc, on vous propose une série de capsules afin de mieux comprendre cet univers. Bonne écoute! De vos projets du début à la fin. Qu'est-ce que c'est, par exemple, dans le cadre des Ézimézac, de devoir livrer votre texte à Luc, aux comédiens? Je suis maître à bord dans mes comptes. Mm-hmm. Ça va. Quand je fais mes comptes, quand je fais mes livres, c'est moi qui décide. Après, quand je fais des albums, je travaille avec un caporal qui s'appelle Jeannot Bournival, qui est réalisateur. Quand je travaille sur des projets de TV, je travaille avec une caporale qui s'appelle Patricia Beaulieu. Quand je travaille au cinéma, je travaille avec le caporal Luc Picard. Pour moi, ça va de soi. Je suis un gars qui a le goût de vivre des affaires, des aventures avec d'autres personnes, avec ce format-là ultime du cinéma qui compte 200 personnes dans le générique du film, qui fait qu'on fait un projet de groupe incroyable. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours le déchirement de passer à un autre. Il y a toujours un petit fond de chienne de que quelque chose se brise là-dedans ou brise l'image de ce Caxton-là qui participe de d'autres projet aussi, puis fait qu'il y a ça, mais avec Luc, ça va, la confiance est établie, puis tu sais, avec Luc, on a pris une amitié, on a pris un rapport qui dépasse le projet d'un film ou de deux films, fait que ça va. Il a senti le Caxton, il a vu c'est quoi, tu sais, il vient, puis il sait comment je travaille, puis fait que je le sais que quand il va s'en mêler ou quand s'il a à jouer dans 3-4 mots, ben ça sera jamais pour briser ou ça viendra jamais... C'est dans la magie de Saint-Élie. Et ça reste dans la magie de Saint-Élie. Selon vous, il a mariné dans le Saint-Élie, puis il y a le jus qui goûte le Caxton. Ouais.